confectionner une manique Tintin, vous aurez besoin de chutes de tissu Tintin, de ouatine, d'un patron téléchargé sur le site, d'une bonne paire de ciseaux, d'aiguilles, de fil de la couleur du tissu et d'une machine à coudre. Premièrement, prenez le patron et découpez le fond de la manique selon les pointillés. Puis placez votre patron sur une chute de tissu assez grande. Prenez vos épingles et épinglez les bords du patron sur le tissu. Faites la même chose pour les petites poches et grandes poches. Si votre patron est bien épinglé, passez au découpage du tissu. N'hésitez pas à rajouter quelques épingles si vous sentez que le tissu baille un peu. Répétez l'opération pour avoir 6 pièces de tissu en tout, 2 de chaque patron. Prenez maintenant 3 épaisseurs de ouatine pour le fond de la manique. 2 épaisseurs suffiront pour chaque poche. Placez votre tissu et coupez la longueur adéquate. Vous allez maintenant épingler le fond recto sur la ouatine pour découper celle-ci à la forme voulue. Une fois la ouatine plus ou moins découpée, aplatissez-la et piquez l'autre fond en essayant de respecter la position de face à face. N'oubliez pas de faire la même chose avec les deux poches. Passez ensuite les 3 éléments à la machine à coudre, en matelassant d'un point droit et en créant un damier d'environ 4 cm entre chaque droite. Pour cela, aidez-vous d'aiguilles que vous positionnerez de part et d'autre de l'élément pour faire une ligne droite. La ouatine qui dépasse peut maintenant être découpée. Voilà comment se placent vos éléments, le fond, la grande poche et la petite poche. Pour coudre et cacher les bords, vous allez devoir utiliser du biais, que vous ferez facilement avec des chutes de tissu. Voici le projet fini, avec le biais du contour, à faire en dernier, le biais de la petite poche et celui de la grande poche. N'oubliez pas de coudre une petite attache. Bon, et bien moi, ça me donne bien envie d'aller l'essayer.